Praise the Lord. Eke hallelujah. Everybody, I said, praise the Lord. Tonight, somebody is touching Jesus right there. Ce soir, quelqu'un va toucher Jésus là-bas. Help me shout it out. Aidez-moi à crier cela. Qu'il y aura des miracles. Soyez-vous là-bas. Quelqu'un là-bas. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie cette nuit. Une nuit de démonstration, une nuit de manifestation, une nuit de surnaturel. Je demande que cette nuit, que tu fasses déplacer toutes les montagnes de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Rends ton salut disponible. Rends ta délivrance disponible. Rends la guérison disponible. Qu'il y ait des miracles à gauche, à droite, de derrière, au devant, au nom de Jésus-Christ. Make this hour our glorious hour. Fais de ce moment notre heure glorieuse. Confirme-le dans toute vie. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donnez-moi un grand amen avant de vous asseoir. Merci beaucoup, cela vous arrivera déjà. Comme la parole sort, la puissance sortira avec la parole. En acte 16, and I'm reading from verse 18. Je lis du verset 18. Many days. Verset 18. Talking about a woman, a lady of divination. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Cela parle de la demoiselle, de cette demoiselle qui a l'esprit de Python. She came near Paul the Apostle. Et elle s'est approchée de Paul. Lorsqu'elle s'est approchée de la puissance magnifique du ciel, magnétique du ciel, il y a une puissance magnétique que lorsque vous l'abordez, vous n'allez jamais échapper au miracle. Il est la puissance qui coule vers votre direction cette nuit. Et comme vous êtes là, le fait que vous êtes là, and you are in the community of that magnetic power from on high. Vous êtes dans le domaine de cette puissance magnétique. Quelque chose de bon vous arrivera. Est-ce que vous apprêtez? She did many days. But Paul being grieved turned and said unto the Spirit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'Esprit. In the name of Jesus Christ. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Came out the same hour. Et il est sorti à l'heure même. Ce que je veux que vous souligniez dans votre Bible, ce sont les derniers mots que sorti à l'heure même. Votre miracle, c'est à l'heure même. À cette heure même, à l'heure même. Voyons acte 22. En acte 22, je lis verset 13. Et me dit, seul mon frère, voici Paul se rappelait de son état de sol. Il se rappelait comment la puissance est arrivée et est entrée en lui. Et un nommé Anania homme qui est venu me voir et a dit, mon frère, recouvre la vue au même instant. Au même instant, aidez-moi à le crier. Au même instant. Je dis, aidez-moi à le crier. Au même instant. Je recouvrais la vue et je le regardais. Ses yeux étaient ouverts. Quand votre miracle,
qu'à votre salut à ce même instant. En Romains 8 et 19. En Romains 8 et 19. Il y a quelque chose ici qui vous attend. Vous êtes arrivé ici, vous n'allez pas rentrer chez vous les mains bredouilles, les mains vides. Le ciel vous attend. Les miracles vous attendent. Et votre heure maintenant a sonné. Quelqu'un là-bas, où êtes-vous? Je dis, votre heure est venue. En Romains 8 et 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Cela parle de l'attente. Cela parle de la manifestation. La manifestation va faire tirer le rideau et va faire ôter le voile. Et la chose qui cache mon miracle, je vais ôter le voile et voici mon miracle présent là-bas. Je veux que vous combiniez tout ce que nous discutons. J'ai parlé de la même heure à l'heure même. Et je parle de la manifestation. Je vais vous parler ce soir du thème l'heure de sa manifestation. L'heure de sa manifestation. Quelque chose va vous arriver. Je vois la manifestation là-bas. Je vois la manifestation là-bas. Je vois déjà avec les oreilles, les yeux aveugles qui ont recouvré la vue. Je vois la personne là-bas avec le ventre boursouflé, les choses bagages dedans vont disparaître. L'attente. L'attente attire la manifestation. Quand vous êtes assis là-bas, je dis, va, voici ma nuit. La dernière fois que je verrai cette montagne, l'attente va attirer la manifestation. Une nulle attente attirera une nulle manifestation. Une petite attente attirera une petite manifestation. Une grande attente. Vous espérez aussi. Vous avez une grande attente très élevée qui touche les cieux. Vous avez les regards sur Dieu. Vous dites, voici le jour. J'apprends que les miracles viendront. Et ce soir, les miracles viendront. Une grande attente. Une grande manifestation. La manifestation de miracles. De salut. Le salut est facile ce soir. La victoire est arrivée. La liberté est arrivée. La manifestation de guérison. Quel que soit le nom de votre maladie, comme je mentionne le nom de Jésus, parce que quand il envoie sa parole, le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce soir, vous serez guéri. On vous a amené ici, vous allez vous lever et rentrer à la maison. Sur vos jambes. On vous a mené ici en tant qu'aveugle. Vous ne voyez rien, mais ce soir, vous allez rentrer chez vous. Vous allez voir la lumière sans que personne vous guide. L'heure de sa manifestation. La liberté totale. L'affranchissement du péché. Être libéré de la maladie et de Satan. À l'heure même, je vous lis quelque chose maintenant. En 1 Jean, chapitre 3.
En 1 Jean 3, il la deuxième partie du verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? C'est pour cet objectif. Il y a une manifestation que Christ, le Fils de Dieu, est paru afin de détruire les œuvres du diable. Restez là-bas. Restez là où vous êtes. Les œuvres du diable seront détruites devant vous. Parce que ce soir, c'est pour ce but-là. Regardez-moi si vous pouvez me voir. Quand vous me voyez, que je vous vois. Pourquoi je vous regarde? C'est pour cet objectif. C'est pour cette raison. Pourquoi vous me regardez? Dites-le moi. C'est pour cet objectif. Je dis, pourquoi vous m'écoutez ce soir? Est-ce que vous êtes venu ici pour vendre de la cacahuète? Est-ce que vous êtes ici pour être spectateur? Est-ce que vous êtes ici pour être admirateur? Pourquoi êtes-vous ici? Dites-le moi. C'est pour cet objectif. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire. C'est merveilleux. Je dis c'est merveilleux. C'est pour cet objectif. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je vous parlais de la manifestation ce soir. Il s'est manifesté pour une raison. Voici l'heure de cette manifestation divine. Je vais parler de trois choses. Après le troisième point, il y aura la manifestation. 1, 2, 3. Après cela, il y aura le temps de manifestation. Numéro 1. La prophétie de sa manifestation. La prophétie de sa manifestation. Ne sommes pas ici pour un jeu de hasard. Depuis longtemps, depuis fort longtemps, le Dieu Tout-Puissant a décidé que le jour de manifestation viendra. Il a prophétisé. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Cette apparition et la manifestation du Fils de Dieu ont été prophétisées. La prophétie de sa manifestation. Deuxième point. La puissance à sa manifestation. Il est arrivé et la puissance est arrivée. Il a paru et la puissance a paru. Il s'est manifesté et la puissance s'est manifestée. Partout où il allait, à Nazareth, il y a la puissance. À Capernaüm, il y a la puissance. À Jérusalem, il y a la puissance. La puissance. Partout où il allait. La puissance à sa manifestation. Il est là ce soir. Je dis, il est là ce soir. Celui qui ouvre les yeux des aveugles est là ce soir. Celui qui fait marcher les boiteux, les paralytiques est là ce soir. Celui qui guérit les maladies incurables. Celui qui ôte le VIH est là ce soir. La puissance à sa manifestation. Troisième point. Les participants de sa manifestation. Les participants à sa manifestation. Dieu merci, je serai participant. Quelqu'un là-bas, je serai participant. Ma soeur là-bas sera participante. Mon frère là-bas, il prendra part. Les participants à sa manifestation. Venons au premier point. La prophétie de sa manifestation, ce n'est pas un hasard que la parole de Dieu nous a déclaré et disant que le Fils de Dieu, c'est pour cette raison, le Fils de Dieu est devenu fils de l'homme
que les fils des hommes soient ravis de la main du diable et qu'ils deviennent fils de Dieu. La prophétie a commencé en Genèse 3. La prophétie de sa manifestation, c'est en Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le Dieu Tout-Puissant parlait à Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toute femme créée par Dieu ne doit pas être amie d'un serpent ou de Satan. Lorsque Dieu vous a créé, il a mis une ligne de démarcation entre vous et Satan, entre vous et le serpent. Et femme, lorsque tu es arrivée à ce monde, tu n'as pas compris. Et comme le serpent a séduit Ève, le serpent t'aborde, Satan vient, les démons viennent. Tu crois que tu allais rentrer dans une bonne alliance au marigot, dans la forêt, au champ, au village, et dans l'idolâtrie, et dans toutes les choses fétichistes, jusqu'à ce que ce mur mitoyen était démoli. Alors maintenant vous vous prosternez, maintenant vous adorez le serpent. Ce soir, je vais ôter ce qui vous relie à ce serpent, la liberté, la délivrance. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Mon frère, tu ne dois pas être ami de Satan, ami du serpent. Il faut qu'il y ait un mur de séparation. Partout où tu vas, comme tu marches comme ça, Satan va fuir de devant toi. Ce démon venant déranger ton corps, venant déranger ton sommeil, venant déranger ta famille, venant détruire tes affaires. Parce qu'il vient comme ami et que tu l'abordes, tu le reçois. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous venons à la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie de sa manifestation. Voilà le verset 15. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la prophétie de la manifestation de Christ. À partir de ce moment-là, lorsque Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, le Fils de Dieu s'est apprêté à venir dans ce monde pour cette raison. Le Fils de Dieu, pour ce but. L'objectif de Genèse 3:15, d'apporter un mur de division, de séparation entre vous et Satan, et que toutes les œuvres de Satan soient détruites, que vous soyez son ennemi, que Satan soit votre ennemi. Il ne va plus rentrer dans votre maison. Vous ne m'avez pas donné un grand tamé là-bas. Satan ne touchera plus vos affaires. Ce soir, c'est la nuit de manifestation. Que cette prophétie soit accomplie dans votre vie. Vous savez, la prophétie a deux parts. Que le Fils de Dieu écrase la tête de Satan pour vous. Et que Satan blesse son talon. C'est la crucifixion. Jésus a été crucifié. Vous n'avez pas compris. Lorsque vous avez entendu Jésus dire, c'est accompli. Il se référait à cette prophétie.
Il a blessé mon talon, je suis crucifié. Maintenant, j'écrase sa tête. Le Fils de Dieu a paru. Gloire à Dieu, il a paru pour moi. Il a paru pour moi. La puissance de Satan est détruite. La maladie de Satan est ôtée. L'infirmité n'est plus. Le Fils de Dieu, l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il dit, c'est accompli. Et ça, il l'a vu. C'est la prophétie de la manifestation. Et le Saint-Enfant qui sera né de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Jean l'a vu venir. Et le lendemain, j'ai vu Jésus venir et dit que voici les manifestés pour moi. La démonstration. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est pour cet objectif, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et puis il a dit, c'est accompli. Et ça, il a vu venir. Un fils nous est né. Un garçon nous est donné. Et il dit que la puissance sera sur ses épaules. Et ça, il a vu venir. J'ai vu la Vierge, elle concevra et il sera appelé Emmanuel. Les anges l'ont vu venir. Marie, tu es bénie parmi les femmes. Le Saint-Esprit venant sur toi et te couvrira de son ombre. Tu deviendras enceinte. C'est une prophétie de sa manifestation. Et le Saint-Enfant qui sera né de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Jean l'a vu venir. Le lendemain, Jean vit Jésus venir. Soudain, il a dit, voici la manifestation, voici la démonstration, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les démons savaient, parce qu'il est venu à la synagogue, et les démons commençaient à crier, « Qu'avons-nous à faire avec toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous détruire? Vas-tu nous jeter dans l'abîme avant l'heure? » Cet homme-là, qui a une légion de démons, a vu la prophétie-là. Il était dans le sépulcre, se maîtrisant. Se détruisant. Soudain, Jésus apparut. Il a couru vers lui. Il a adoré. Et la légion de démons parlait à lui. Laisse-nous tout seul. Pourquoi vas-tu nous chasser?
Jésus a dit, quel est ton nom? Il dit que je suis légion parce que nous sommes plusieurs. Jésus a dit, sortez de lui. À l'heure même, la légion de démons est sortie. L'homme était affranchi. Je parle de vous. L'homme là était affranchi. Je parle de vous. La femme là est affranchie. Ils l'ont vu venir. Ils l'ont vu venir. Il est le Fils de Dieu. La prophétie de sa manifestation, c'est pour cette raison. Je dis, c'est pour cette raison. Prêchez-le. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, ce n'était pas une chose secrète. Les mages de l'Orient ont vu l'étoile. Ils savaient que c'est une étoile spéciale. L'étoile les a conduits jusqu'à là où était Jésus. Celui qui va mettre fin à vos problèmes est arrivé. Celui qui va vous délivrer est arrivé. Celui qui vous affranchira est arrivé. L'étoile les a conduits jusqu'au lieu où Jésus était. Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont adoré. La manifestation est arrivée. La prophétie est accomplie. Et finalement, Jésus s'est montré au public. C'est le deuxième niveau de la manifestation. La puissance à sa manifestation. La puissance. Aidez-moi à crier la puissance. Où êtes-vous? La puissance. La puissance là comme un bulldozer venant du ciel va déplacer tous vos problèmes cette nuit au nom de Jésus-Christ. La puissance à sa manifestation. En Luc 4, je lis verset 14. En Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il avait mené un combat au désert avec le diable. Le diable est arrivé comme il abordait les gens. Il n'a pas compris. Il croit que celui-ci est Moïse. Il n'a pas compris. Il croit que celui-ci est comme Josué. Il n'a pas compris. Il croit que celui-ci est comme David. Que je vais l'aborder. Et je vais le tenter. Et lorsqu'il était arrivé, Jésus l'a terrassé. Et qu'il est écrit, il est tombé. Il va tomber ce soir de votre vie. Il va tomber ce soir. Satan essaie de reprendre ses forces. Il est revenu. Il a dit autre chose. Jésus a encore lancé la parole qu'il est écrit. Et il a titubé, il est tombé. Alors il s'est relevé encore. Il est revenu au troisième point. Il a dit autre chose. Jésus a dit, je t'ai dit, il est écrit. Ensuite, il est tombé, il ne s'est plus relevé. Ce soir, il va tomber, il ne va plus revenir. Je dis, dans votre vie. Je dis, ce soir, dans vos affaires. Ce soir, dans votre famille. Ce soir, dans votre corps. Le temps de puissance est arrivé. Où êtes-vous? L'heure de puissance est arrivée. Ce Satan qui vous dérange, c'est pour cette raison. Le Fils de l'homme a paru. Le Fils de Dieu a paru. Afin de détruire les œuvres du diable. Lorsqu'il a paru, la puissance est arrivée. C'est pourquoi c'est dit ici que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et puis il est allé à la synagogue. On lui a donné le livre de Isaïe à lire. En verset 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle vous parvient ce soir. La bonne nouvelle pour les pauvres. Le salut est très riche et très cher que vous ne pouvez pas l'acheter parce que vous êtes pauvre, mais cela vous sera donné ce soir gratuitement. Le miracle pour que Dieu vous crée un nouvel œil, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est très cher que vous ne pouvez pas l'acheter, mais gratuitement Dieu vous le donnera cette nuit. Vous ne pouvez pas. Vous pourrez acheter une pièce de rechange pour votre voiture, mais vous ne pouvez pas vous acheter une pièce de rechange pour votre pied, votre jambe pourrie. Mais cela viendra du ciel gratuitement pourvu pour vous. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quel que soit ce qui est entré en vous pour vous faire briser le cœur. Votre femme a fui la maison. J'envoie le Saint-Esprit à la femme là, elle va revenir au nom de Jésus-Christ. Votre mari vous a abandonné. Votre mari vit, mais vous êtes comme une veuve. J'envoie le Saint-Esprit à l'homme là. L'homme là reviendra. Le Seigneur va vous affranchir de votre corps brisé cette nuit au nom de Jésus-Christ. Votre enfant est mondain. Dit que je ne sais pas comment contrôler cet enfant qui est rebelle. Votre cœur est brisé. Quand vous voyez les enfants d'autrui faire du bien, vous rappelez votre enfant. Votre cœur est brisé. Mais ce soir, il guérira votre cœur brisé. Un miracle va entrer dans votre famille. On vous a dit que vous avez le VIH, que ceci est incurable, et vous commencez à compter le temps, qu'il reste tel mois. Vous regardez, je mourrai. Votre corps est brisé. Le VIH là quittera votre corps cette nuit. La maladie incurable va quitter cette nuit. Parce que il m'a. Ouais. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Si vous êtes à côté d'un aveugle, il faut rester là-bas jusqu'à ce que nous prions. Au temps de la prière, lorsque nous dirons le dernier Amen. Vous lui direz, ouvre tes yeux et regarde-moi. La personne va te voir. Elle va te voir. Parce qu'il y aura le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce au Dieu Seigneur. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, quand votre guérison, aujourd'hui, quand votre miracle, aujourd'hui, quand est-ce que ces yeux aveugles s'ouvriront, aujourd'hui, quand est-ce que la personne sourde l'a entendra telle, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a la puissance à sa manifestation. Numéro 1, la puissance pour convertir. La puissance pour convertir. Vous n'avez pas la puissance. Vous essayez de faire le bien, mais vous ne le pouvez pas. Soumettez votre vie à Christ cette nuit. Il va changer votre vie en meilleur.
quelque chose de bon vous arrivera. Vous allez venir à Christ. Vous deviendrez une nouvelle créature. C'est ce qu'il fera lui-même. Numéro 1, la puissance pour convertir. 2, la puissance pour guérir. Les maladies incurables vont fuir votre corps. La puissance pour guérir. Les choses qui se cachent dans votre corps, dès que je mentionnerai le nom de Jésus, ces choses fuiront votre corps. L'asthme va fuir. La tuberculose va fuir. Le cancer ne vous tuera pas. Je dis, le cancer ne vous tuera pas. Comme vous êtes ici cette nuit, à l'heure de la manifestation, le cancer va fuir. La puissance pour guérir. La puissance pour vous affranchir. La puissance pour ôter vos maladies. La puissance pour vous guérir entièrement. La puissance pour convertir. La puissance pour guérir. La puissance pour vaincre. La puissance maléfique qui lutte contre vous jusqu'à ce jour-là, vous allez en triompher d'elle. Christ Jésus a la puissance. La puissance pour pardonner. La puissance pour faire vivre le pécheur. Christ Jésus a la puissance. La puissance pour purifier. Il va purifier votre corps du péché et vous rendre saint. Christ Jésus a la puissance. La puissance pour détruire. La puissance pour écraser l'ennemi et donner la victoire à votre âme. La victoire vous est arrivée cette nuit. En Matthieu 21, je lis 28, 18. Matthieu 21, 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus de Nazareth, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de la force. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus va vous visiter cette nuit. Jésus va vous atteindre là où vous êtes assis. Il va tout vous toucher là où vous êtes dans le fauteuil roulant. Il allait partout faisant du bien. Et il guérissait combien de personnes? Il guérissait tout. Est-ce que vous êtes là? Il guérissait tout. Est-ce que vous êtes là? Il guérissait tout. Il vous atteindra là-bas. Il guérissait tout. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu est avec lui. Votre temps est arrivé. Votre heure est arrivée. Parce qu'il est la puissance. Quand vous voyez Luc 11. En Luc 11. En Luc 11, verset 20. En Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Jésus est plus puissant que toute autre puissance dans votre vie. Voilà,
les gens vont faire la pub que viens ici chez nous, nous allons me cacher par terre et puis te voir l'oracle et vont te faire ceci, cela. Toi-même, tu as quitté ce lieu-là, viens ici. Ce lieu que tu es ici cette nuit, la puissance de Dieu va te toucher. Ça, c'est une pub de séduction. C'est une pub d'imposture. Mais Jésus a fait la déclaration, soutenu par le ciel et la terre. Jésus-Christ, il a fait la déclaration. Bartimée a dit que je peux témoigner. Ce qu'il a dit est vrai. Il a ouvert mes yeux aveugles. La femme est arrivée. Que je peux rendre témoignage. Ce que Jésus a dit, c'est vrai. J'étais courbé pendant 18 ans. Il m'a touché et puis je me suis redressé. 10 lépreux sont arrivés. Que nous pouvons rendre témoignage. Lorsqu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné, nous sommes arrivés à ce Jésus. Il a dit, allez-vous montrer au sacrificateur et en voir, nous étions tous purifiés de la lèpre, nous étions en bonne santé. Le chef de la synagogue pouvait dire que je peux aussi rendre témoignage. Ma fille de Dieu a été morte. Jésus est arrivé en toute puissance, Jésus l'a relevé de la mort. Ceci n'est pas une pub d'imposture. Ceci n'est pas une proclamation de séduction. Jésus, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Regardez la femme là venir. Pasteur, est-ce que je peux parler? Il dit, parle. Que j'avais la perte de sang pendant 12 ans. Et puis j'ai dit, mais si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Dès que je l'ai touché, je fus guéri. La déclaration de Jésus était certifiée par toute personne ayant de problèmes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez partout. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez leur arbre, c'est tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est ici ce soir. Est-ce que vous êtes là? Jésus est là ce soir. Est-ce que vous êtes là? Jésus est ici ce soir. Numéro 1, la prophétie de sa manifestation. Numéro 2, la puissance de sa manifestation. Nous venons à vous maintenant. Je dis, c'est votre tour maintenant. Où êtes-vous? C'est votre tour maintenant. Je parle à quelqu'un là-bas cette nuit. C'est votre tour maintenant. Participant. Un participant et non un spectateur. Pas un visiteur, mais un participant. Non seulement un visiteur, mais un participant. Vous aurez votre partie, votre part en ceci. Ce soir, vous aurez votre part en ceci. Le cerveau là qui fait du bruit là va cesser. Le bruit là va cesser. Le feu qui brûle dans votre corps s'éteindra. Ce que les docteurs t'ont dit que tu vas mourir, tu ne mourras pas. La vie est entrée en toi. Participant. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui soit participant? Participant. Participant de sa manifestation. Participant de sa manifestation. Jésus a manifesté beaucoup de miracles. Voyons Jean 2. En Jean 2. Je l'ai dit verset 11. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est le premier des miracles que Jésus fit en Galilée. Et il y a eu une grande manifestation.
Il manifesta sa gloire. Et voici un nouveau départ dans votre vie. Écrivez la date d'aujourd'hui. Un nouveau jour. Je dis un nouveau jour. Un miracle vous arrivera. Cela ouvrira la porte que vous n'avez jamais vue. Vous allez entrer dans une percée que vous n'avez jamais eue. Le pardon vient. La liberté vient. Le salut vient. La guérison vient. La délivrance vient. Une meilleure vie est arrivée. Je dis une meilleure vie est arrivée. Quel que soit ce que vous avez aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez aujourd'hui, que ce soit comme vous êtes heureux aujourd'hui, caché de plus grand, caché de plus élevé, caché de plus riche, caché de meilleur, caché d'honorable, caché de plus désirable, une chose meilleure vous arrivera au nom de Jésus-Christ. Comment la manifestation est arrivée à l'époque là? C'est en verset 5. Le verset 5 là, les gens l'ont fait avant que la manifestation ne s'est produite en verset 11. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et ainsi, ils sont devenus participants de ce miracle. Faites ce qu'il vous dira. Et ainsi que la manifestation a lieu. C'est ainsi que votre manifestation aura lieu cette nuit. Tout ce qu'il vous dira, tout ce qu'il vous dira, tout ce qu'elle vous dira. Faut pas les attendre. Faut pas penser à l'autre personne. Faut pas penser à celui, à cela. Tout ce que Jésus, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit repens et crois. Très simple. Qu'est-ce que cela veut dire repentir? Change-toi. Les choses que tu faisais, les lieux que tu allais, tu cherchais le bonheur. Le bonheur n'est pas arrivé. Tu cherchais la joie. La joie n'est pas arrivée. Tu cherchais la satisfaction. Mais cela n'est pas arrivé. Tu cherchais la bonne chance. Cela n'est pas arrivé. Tout ce que tu cherchais est ici pour toi cette nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tout ce que vous cherchez, félicitations, félicitations. Vous êtes ici ce jour. La joie a commencé. Le bonheur a commencé. Les bonnes choses que vous cherchez. Regardez, ces choses sont arrivées aujourd'hui. Il a dit, repens-toi. Change. Détourne-toi de Satan. Détourne-toi du péché. Viens et tourne vers Jésus ton sauveur. Il dit repens-toi. Quoi? Il dit confesse et délaisse ou abandonne. Confesse et abandonne. Rapidement. Christ, je suis pécheur. Tu es mon sauveur. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Deux minutes, tu finis cela. Et la vie meilleure va commencer. Et la grande vie va commencer. Le bonheur et la joie vont commencer dans votre vie sans fin ce soir. Je crois, dis, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous allez prendre part à sa manifestation ce soir. Vous aurez le salut individuellement ce soir au nom de Jésus-Christ. La guérison sera votre bénédiction ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous serez délivré au nom de Jésus-Christ. Vous ne dormez pas bien. Cette nuit, vous allez dormir comme un bébé. Une nouvelle vie est arrivée. La vie éternelle est arrivée. N'allons plus perdre le temps. Je cherche les participants maintenant.
Je ne vais pas parler aux spectateurs ni aux amis, aux admirateurs. Je vais parler aux participants. Les participants à sa manifestation. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tête baissée, les yeux fermés. Et vous désirez cela de tout votre cœur. Que ce soir, vous n'êtes pas arrivé à un terrain de jeu pour regarder le jeu de football, mais vous êtes arrivé pour être un spectateur, un participant à la liberté du Seigneur, au salut du Seigneur. Tête baissée, les yeux fermés. Vous dites, je suis participant cette nuit. Je suis participant cette nuit. Je suis participant cette nuit. Vous allez lever la main. Seuls les participants lèvent la main. Seuls les participants lèvent la main. Vous allez lever la main. Tu Jésus, je suis ici. Le Fils de l'homme a paru. Le Fils de Dieu a paru. Il a paru pour moi. Le Fils de Dieu a paru pour moi. Afin de détruire les œuvres du diable. Jésus, je suis à toi cette nuit. Où es-tu? Tu lèves la main. Tu veux qu'il te pardonne. Tu veux qu'il ôte tes péchés. Et qu'il opère le plus grand miracle dans ta vie. Tête baissée. Les yeux fermés. Tu vas lever la main là. Tu lèves la main à Jésus. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, tous ces gens qui viennent à Christ comme sauveur, selon ta parole, reçois-les, pardonne-leur et accepte-les au nom de Jésus-Christ. Merci de les avoir sauvés. Merci de leur avoir pardonné. Merci pour la manifestation de ta paix dans leur cœur. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Acclamez le Seigneur pour montrer que vous êtes content. Le salut est entré, vous êtes content. Le pardon est entré, vous êtes content. Nous n'avons pas encore fini. La manifestation de guérison et de miracle vient. Cela va vous arriver. Je dis, cela va vous arriver. La manifestation, la démonstration, le miracle, la guérison, la délivrance. Comme vous écouterez le dernier Amen, la manifestation sera là. Si vos yeux sont aveugles, apprêtez-vous pour voir. Si vous êtes boiteux, paralytique, vous êtes assis dans le fauteuil roulant ou vous êtes étendu par terre, apprêtez-vous. La personne viendra vous réveiller là-bas, vous allez vous tenir debout et le miracle va vous faire marcher. Vous avez amené un sourd-muet. La guérison viendra sur eux. Ils vont entendre parler. Une déjà plus courte que l'autre. Tu peux même t'asseoir par terre si tu as vu qu'une jambe plus courte que l'autre. Et puis tendre les deux jambes. Comme je prie, la jambe plus courte va sortir, pousser et être à l'égal que l'autre. Vous savez, les os fracturés, le Seigneur vous touchera quand je prie. La tuberculose, le cancer, quel que soit le problème, l'appendicite, tout va disparaître. La puissance va vous atteindre maintenant. Si vous êtes prêt pour votre miracle, levez la main. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, réveillez-vous, le miracle sera là. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette heure, l'heure de ta manifestation. Je viens en faveur de tout le monde ici. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Je te commande, esprit de folie, sors de là au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses qui circulent dans le corps, esprit de serpent, je vous commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Saint démon, esprit familier, je vous commande, sortez de là au nom de Jésus-Christ.
Je brise ce jeu dans votre vie. J'enlève la malédiction de votre vie. Je déclare la manifestation de guérison, de délivrance sur votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des tumeurs corporelles. La tumeur dans votre abdomen, la tumeur dans les seins, la tumeur dans les fesses, la tumeur à la partie génitale, la tumeur à la partie génitale au cou, sort de là au nom de Jésus-Christ. Je commande que le cancer soit guéri. Vous, virus de cancer, mourrez là-bas au nom de Jésus-Christ. Vous êtes œuvre du diable. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Cancer soit guéri. Ulcère soit guéri au nom de Jésus-Christ. Le VIH, je te commande, sort de là au nom de Jésus-Christ. Les choses qui réchauffent votre corps, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable fait pour te frapper la tête, frapper le ventre, frapper ta tête, je commande que les coups du diable cessent dans ta vie maintenant. Sois franchi, guéri, délivré au nom de Jésus-Christ. Je commande que les os fracturés se guérissent. Que la jambe plus courte la pousse. Jambe courte pousse. Jambe courte pousse. Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés, vous êtes assis sur une natte ou dans le fauteuil roulant. Vous êtes en béquille. J'avais la puissance de Dieu sur vous. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je commande que la paralysie sort de votre corps au nom de Jésus-Christ. Je te commande, actrice, sors de là au nom de Jésus-Christ. La douleur des oreilles et la douleur dorsale, tu ne peux pas te redresser. Je prie que la main de Dieu te touche. Tu es délivré. Tu es affranchi. Tu es délié. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés d'une manière. Ceux qui sont boiteux d'une manière. Paralysés d'une manière. Seigneur, touche-les maintenant. Affranchis-les maintenant. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Les sourds-muets, je prie que tu les touches maintenant. Qui touche vos oreilles et votre langue. Recevez votre audition au nom de Jésus-Christ. Recevez votre fondation au nom de Jésus-Christ. Ces yeux aveugles, c'est votre tour. Ces cités, tu ne peux pas demeurer là-bas. Ces cités, tu ne peux pas demeurer là-bas. Je commande que ces yeux aveugles s'ouvrent et commencent à voir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le bandage du diable à vos yeux, j'enlève ces bandes. Cataracte et eau et consort, je vous enlève maintenant. Recevez votre vision au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu remontes, ne m'apprenne pas au miracle. À ma droite et à ma gauche. De derrière au devant moi, partout que ma voix est entendue, soyez participants. Recevez votre miracle, recevez la guérison, recevez votre délivrance. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que c'est fait. Je sais qu'il y a la manifestation maintenant. Je sais qu'il y a la démonstration maintenant. Je te remercie parce que c'est confirmé. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est arrivé. Cela est arrivé. Faites un bas pour le Seigneur. Que le diable entende le son de vos mains. Que le diable fuit ce lieu-là. Si vous êtes aveugle, ouvrez les yeux pour voir.